Ryan. Allez, c'est coup franc pour tenter de marquer un point et sur l'honneur de l'Italie. رجع على Allez, classés deuxième. Les médailles seront desserrées par le grand Sabi.
C'est comme ça que s'achève ce magnifique week-end. On va passer tous ensemble à faire plein de belles choses. Et aujourd'hui, hier soir sur cette scène, il y avait notre ami Aziz Maoui qui a donné un conseil splendide, beaucoup de bonheur, beaucoup de générosité. C'était merveilleux, je lui ai demandé. Et ça me dit Aziz, Aziz, pour la musique, Aziz pour le sport, pour lui remettre ses médailles et ses trophées du mondialito. On va commencer tout de suite avec l'équipe d'Italie qui s'est classée seconde de ce tournoi, ce mondialito. Et ensuite, on va se réaliser depuis pour la France. On laisse le meilleur pour la fin. On a une magnifique équipe de France sous vos applaudissements qui vont passer récupérer leur médaille d'or. On va voir gagner le grand Mondialito qui le mérite. Et les médailles sont offertes par Aziz Sermeoui. Applaudissements bien sûr. Yeah.
grand moment. Monsieur Aziz Boudebella, ici, va remettre la coupe du monde, du mondialito. Chiolé, maire, on va remettre la coupe au capitaine de l'équipe de France. Tout le monde a aidé, c'est le succès de tout le monde. Bravo, bravo à tous, vraiment merci. Du fond du cœur, c'était génial, vous étiez top, top, top. Et on s'est éclaté, c'était merveilleux, toujours merveilleux. Allez, je pense qu'on va faire cette belle photo, je pose ce micro. Bouge le téléphone, vas-y. Sabi. Non! سي مهدي العلوي المغربي منظم ديال الحفل ديال عيد الرياضه والموسيقى مرحبا بك موقع المهدي بوعيما كيفاش دازت الاجواء هنا في حيله هذ اليومين سوبر سوبر انا باسي دو تري تري بيل جورني هير سامدي اوجوردي ديمانش 22 جوان سيتي اون بيل فيت اي بي سي لي فيت بور لي انفان Ils ont passé deux jours qui n'ouvriront pas de sitôt. Il y a eu des activités sportives, du judo, de la boxe, de la batucada, de la capoeira, de la danse, enfin plein de choses. Et ils ont pu faire aussi pratiquer, c'est ça qui est important, c'est que les enfants ont pu pratiquer différentes disciplines sportives. Et hier soir, nous avons un concert exceptionnel à l'occasion de la fête de la musique, le 21 juin, pour la journée mondiale de la fête de la musique. Nous avons eu un concert de Aziz Samawi, University of Gnawa. On a eu également deux conférences, une sur le sport comme défi personnel, comme challenge, et une autre sur l'histoire de la Sampa parce qu'on est en pleine Coupe du Monde et vous venez de voir là à l'instant la finale du Mondialito où la France a gagné 3-0. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour la vraie Coupe du Monde. J'ai filmé. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour la Coupe du Monde, hein, mais en tout cas on souhaite plein succès à la France et à toutes les équipes d'ailleurs. Et le Maroc était qualifié pour notre Mondialito. Il est arrivé en demi-finale et s'est classé 3e. On espère qu'un jour. Espérons qu'un jour le Maroc viendra demi-finale. Voilà. Si l'Alaoui dkhaltou l'farha al-atfal dial بيتي وهذه بادره مزيانه انكم تجيبوا الاطفال ديال الخيريات Je vous remercie pour cette question parce qu'effectivement c'était un point important de tout l'événement, c'est que nous avons eu des associations, Planète Citoyenne qui a fait des actions de nettoyage des espaces, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, il faut sensibiliser les enfants pour qu'ils puissent nettoyer les espaces dans lesquels ils jouent. Et ensuite il y a eu Beiti également qui a fait plein d'activités, Xabik Tzabek, il y avait également SOS Village qui était présent, dans différentes associations, le monde associatif, nous sommes très liés à l'associatif, nous sommes dans un club qui est une association sportive, le COC, qui existe depuis 1929, et donc il y a du tennis et du rugby, et l'esprit associatif est important pour le développement durable de notre pays. Est-ce qu'il y aura d'autres événements après le Ramadan? Nous organisons également le Forum de la mer à El Jadida. Ah oui, je suis. Nous organisons également un événement dédié au soleil au mois d'octobre et bien sûr autour de grandes rencontres et de grands rendez-vous internationaux du sport nous organiserons d'autres actions. En 2012 nous avions fait Follow the Green Stars. Les Green Stars c'est les étoiles marocaines, les étoiles vertes pardon, et donc les sportifs marocains qui participaient aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. On avait fait un événement à cette occasion. Cette fois-ci c'est la Coupe du Monde et très probablement dans deux ans en 2016 nous aurons un nouveau rendez-vous avec les Jeux Olympiques et puis peut-être
pourquoi pas la canne, on verra. C'est la loi, tu as d'abord fait le midan de la riada, je me suis dit que je يمكن تعود الاب ديالك لان الاب ديالك كان وزير سابق في الشباب والرياضه عندك شي فكره انك تدخل لهذا المجال ديال السياسه لا انا السياسه بعيد عليها في المجال الاسوسياتيف في دونك بريفي je fais ce que j'ai à faire chacun a des choix des décisions personnelles pour ma part la politique je m'en suis donc chacun tout le monde fait de la politique vous savez par n'importe quelle action un citoyen fait de la politique et donc pour l'instant je ne vois pas d'offre politique du tout qui me Monsieur Alaoui Mdaghri, directeur de l'événement de la musique et le sport, tu étais avec le Made in Point. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.